Bonjour à tous, on se retrouve au petit matin dans la Tesla Model 3 Petite Batterie. On va au Tesla Center de Mulhouse. Donc on va faire un trajet d'autoroute partant froid. Il fait moins 1 degré. Donc le, le but c'est de voir avec le plein. Donc là on paraît 95%, on aura la stade depuis le, la recharge. Si on peut faire les. Donc on a 135 km à faire. Donc est-ce qu'on peut faire 270 km sur autoroute on va rouler à 130 quand ça sera 130. Et puis il y a quelques portions à 110. Donc on roule à 110 évidemment. Donc là, il nous prévoit une euh, arrivée à 48%. J'ai vu euh, là qu'on a apparemment un gros vent de face. Et un aller-retour possible avec une arrivée à 5%. Donc on va consommer un peu moins au retour. Mais bon, on verra hein, si on revient le soir. Il fera peut-être encore euh, plus froid. Donc on verra ça. On est ici à l'entrée d'autoroute. Voilà. Donc on, on va aller voir ça. Petit trajet partant euh, vraiment froid puis vous voyez là j'ai ma console depuis le début de l'hiver on était à la portentruie on a vu les premières neiges sur les sommets et puis j'ai une consommation bah, hyper raisonnable hein. depuis j'ai fait 1600 km donc là pur hiver à 16,7 kWh au donc c'est plutôt cool bah on se retrouve un petit peu euh, à l'arrivée puis je vous ferai un petit point euh, intermédiaire euh, du côté de, de Montbéliard euh, presque mi-parcours voilà. à tout à l'heure On s'arrête à mi-parcours, on est à, juste avant Montbéliard, on est l'air déco. Il fait moins 3 degrés, on aussi entre moins 3 et moins 4. Et puis on va regarder un petit peu euh, la conso. Alors, on met l'historique là. Donc, on a euh, surconsommé un petit peu, 3%. Donc, c'est bien, c'est qu'on a en direct la, la projection en temps réel. Donc, on voit tout au long du parcours en vert c'est quand on est dans la prédiction et en orange c'est quand on consomme plus voilà donc on a consommé un petit peu plus donc il vous dit un petit peu pourquoi donc il nous propose de conduire à moins vite et puis il nous explique effectivement qu'on a un vent euh, de nord-est qui nous a coûté un peu de, de conso nous après on laisse la clim faut que j'en ma ceinture pour afficher les, les stades de consommation c'est un petit peu bête voilà donc on a consommé euh, sur 68 km euh, 22,4 kWh au 100. Bon, bah pour un moins 3 degrés, hein, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal. Je me suis arrêté pour euh, voilà chez Fastnet pour vous faire la, le petit bilan à mi-parcours. On a un super paysage. Là, on sera un petit peu contre jour enneigé. La station Fastnet qui Je vais vous faire une petite vidéo spécifique. Donc, on va continuer notre trajet et puis on verra à l'arrivée. Bon, en fait, on n'a pas de souci, on n'avait pas préconditionné la batterie, hein. on a juste préconditionné la voiture quelques minutes avant de partir. Bon, en tout cas, euh, pas de souci, on, bah, on arriverait voilà, 44% et 0 à l'estimation à Besançon. Donc 0 en sachant que j'arrive à la maison, ça ne euh, m'inquiéterait pas du tout. Mais on verra, je pense qu'à Mulhouse, on va aussi un petit peu euh, tracer. Donc à mon avis, on va reconsommer un petit peu euh, aussi sur place. Allez, on continue notre trajet. à tout à l'heure. Chez Tesla, qui est juste à la sortie d'autoroute, et puis on va regarder voilà, notre petit trajet. Donc, on a consommé un petit peu moins que prévu, et surtout, bah, on a fait une super console depuis l'arrêt à FastNed. Euh, on a consommé que du 16 kWh/100, c'est vraiment exceptionnel. Après, il y a beaucoup de zones à 110, et puis bah, par rapport au départ où la batterie était, très était froide, la batterie était sûrement un petit peu plus, euh, petit peu plus douce. Donc on a fait un 135 km hein, depuis le, le départ sur autoroute et puis on arrive avec ben, 45% de batterie exactement ce qu'il nous avait dit on était parti à 95 de mémoire donc on a consommé euh, 50% de la batterie pour 135 km sur autoroute donc sur un plein complet ça nous fait 250 km bon vraiment de 0 à 100 hein, sur pas moins 3 donc depuis la recharge euh, ben, on est à 20 kWh au 100 donc bah par rapport aux températures hein, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal dites moi ce que ce que vous en pensez donc on verra un petit peu avant de repartir ce soir à, à combien on sera euh, je pense qu'on fera peut-être un petit apport quand même on va regarder si on fait euh, euh, besançon on va voir ce qu'il nous dit Hop. calcul Donc il va calculer exactement l'autonomie par rapport donc euh, à la température, au vent aussi. Alors ça peut changer ce soir. Hein. Donc, je ne vous dis pas ce qu'on vient faire chez Tesla. On voit qu'il y a les, les Highlands ici. Les Y. Donc on arriverait avec 3%. Ouais bah, 3%, moi ça ne me pose pas de souci. Après on verra, hein. de toute façon, bah... Il y a ce qu'il faut, hein. on a croisé à station Total Energy, Unity, Fastnet, Supercharger, donc vraiment euh, IVADEA aussi. Donc il y a tout, hein. c'est plus un souci maintenant pour, euh, pour voyager. Donc voilà, bah, on vous reprendra sûrement un petit peu plus tard pour vous dire le, le bilan. On va voir si on, si on, on rentre sans, sans refueling, comme on dit, ou si on fait un petit stop-stop euh, charge. à plus. Allez, on repart de Mulhouse. En fait, voilà, on est sur le parking Ikea. Du coup, pendant notre visite, nos achats, on a pu reprendre 5%. Donc, on va repartir non pas à 45%, mais à 50%. Donc, on triche un peu, mais du coup, on va se laisser un petit peu de marge. Donc, Jimmy Besançon, il nous dit arriver à 12% en centre-ville, 130 km. Il fait 1 degré, il est 16 heures. On va partir juste pile à 16 heures. Donc, on va voir combien on va. On va consommer pour le, pour le retour, sûrement peut-être un petit peu moins qu'à qu l'aller. On va rouler bah pareil, 110 à 110 et 130 ou portions limitées à 130. Et on se retrouve à l'arrivée. A tout à l'heure. On vient d'arriver à Besançon. On est juste à la sortie d'autoroute s'il y a le péage. Donc 17 h 05 2 degrés. On a navigué entre 0 et 2 degrés. On eu avec 6%. Donc on va voir qu'on a un peu surconsommé. Voilà, euh, 7% de plus que par rapport à l'estimation. Donc là il nous projette pour aller en centre ville. Hein, voilà. Donc il nous conseille de rouler à 110. Et c'est la conduite qui nous a fait surconsommer. On n'a eu aucun trafic, hein, donc on a vraiment roulé hyper fluidement. Donc on a fait 129 km, 1h10. Vous voyez qu'on a vraiment bien, bien roulé, malgré les quelques portions à 110. Donc bah, une super consommation, hein, vu le, la température et la, la vitesse moyenne. 18 kWh au 100. Donc je euh, bah, j'étais pas stressé, mais du coup on a bien fait d'avoir quand même les 5% de. De recharge qu'on a fait pendant la, la visite d'Ikea, sinon on sera arrivé euh, voilà entre 0 et 1%. Euh, voilà, je n'aurais pas stressé, j'aurais simplement euh, réduit un peu ma vitesse à 125 ou 120 sur les 30 derniers kilomètres. Voilà. Là, je connais bien ma voiture, je connais bien les Tesla, donc je suis pas stressé. On arrive à la maison, on est sûr que le chargeur il fonctionne bien. Donc euh, voilà, ça vous donne un petit peu, le, ça peut vous ra en rassurer certains sur l'autonomie des voitures en, en hiver en rappelant hein, qu'on a une pompe à chaleur, que les Tesla sont assez efficientes. Euh, mais si vous envisagez, envisagez d'acheter une modèle 3 ou une modèle Y, que ça peut euh, un peu vous rassurer. Donc ça veut dire que sur un plein complet, voilà, euh, vraiment partant comme ça euh, quelques degrés, on va faire euh, donc euh, plus de 150 km sur autoroute. Euh, voilà sur un, un 10-100%, euh, donc sur 90% de la... La, la charge par contre si vous faites un plus long parcours on va s'arrêter généralement plutôt un, un 20 80 donc vous ferez un petit peu moins mais franchement c'est vraiment pas mal hein. ça fait comme une, une belle autonomie voilà un besançon mulhouse aller-retour par autoroute euh, à belle allure euh, se fait facilement donc ça c'est cool donc voilà c'était pour une petite euh, parcours de retour d'expérience euh, n'hésitez pas hein, si vous avez plus de questions à me poser des questions il y a mon email euh, sur la page contact de, de YouTube ou par Instagram. Euh, voilà Il y a des gens aussi qui utilisent mon moyen de parrainage. Euh, n'hésitez pas euh, sans, sans me contacter, n'hésitez moi Il y en a avec lesquels euh, ben, je passe beaucoup de temps pour les rassurer, répondre à des questions. Ils lisent des, des articles, qui des fois, disent vraiment des, des bêtises. Donc euh, après il y a des plus, il hein, y a des moins forcément, euh, toutes les toutes les marques. Mais euh, moi je suis là aussi pour vous pour répondre aux questions. Donc voilà, le petit, euh, le petit voyage. Euh en froid sur autoroute, donc pas de souci Petite visite au Tesla Center de, de Mulhouse à Soussam, super sympa. Je vous mettrai quelques petites photos là juste après. Et puis on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu euh, nos aventures. Et puis vous pouvez vous adhérer aussi euh, au Tesla euh, Honor Club hein, si vous avez euh, assez acquis une Tesla euh, il n'y a pas très longtemps pour pouvoir faire des, des sorties comme ça. On se retrouve tous au mois de mai. Euh, à Clermont-Ferrand au centre des Michelin, ça va être une belle belle grande fête, vraiment un bel endroit. Donc voilà, à bientôt, salut.